Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour écouter finalement ce que me raconter pendant une très courte période de temps, ce que j'ai fait les 6 dernières années, c'est de nouveau en train de s'éteindre. Donc voilà, je vais commencer très vite. À l'agenda, il y a 3 points que j'ai envie de partager avec vous. La première chose, je vais expliquer dans quel domaine je travaille, quel est le problème que j'ai essayé de résoudre et de vous donner une intuition de l'approche que j'ai pris pour le réseau. L'approche prise. Ensuite, je vais vous présenter mes contributions, quelques morceaux bien choisis et la déclaration de qu'est-ce que réellement ma thèse de doctorat. Et puis, passer un peu de temps à parler des directions futures potentielles de la recherche dans ce domaine. Donc, commençons directement par le domaine. Donc, les ordinateurs. on les connaît bien, ils ont des écrans, laptop, PC de bureau, tablette, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ce à quoi on a l'habitude, enfin ce à quoi on entend par ordinateur. Il y en a tout autour de nous. Ils font partie de notre vie quotidienne, on interagit avec eux. Les ordinateurs, sauf qu'on ne les appelle pas ordinateurs parce qu'on ne voit pas l'écran, le clavier, la souris, mais l'ordinateur est embarqué à bord du dispositif et de l'objet. Ça veut dire que, enfin, on me regarde toujours de travers quand on me demande, oui, tu travailles dans quoi? Dans l'embarqué. Oui, c'est quoi l'embarqué? Ben, en fait, c'est tout simple. C'est des ordinateurs qui sont dans des objets, qui sont cachés dans des objets. Et le problème que je veux résoudre par rapport à ces ordinateurs embarqués, en fait, vous le connaissez, avec ce logo, tous les jours, on a le téléphone, la batterie qui est plate, le laptop, ou alors la tablette. Et ce problème s'applique non seulement à l'informatique mobile que vous avez, mais aussi dans les voitures. Une voiture va consommer une certaine quantité d'énergie due au fait du nombre de systèmes embarqués qui sont dans la voiture. J'ai mis beaucoup de points rouges sur la voiture. Enfin, j'ai mis. Quidos a mis. Notre ami qui avait fait cette présentation. Ça veut dire ce que ça veut dire, qu'il y a beaucoup de systèmes embarqués dans une voiture, entre 100 et 200 cartes de ce type. Voilà, ça va ressembler à ça en fait, un système embarqué, une carte sur laquelle sont soudés des composants électroniques reliés par des pistes métalliques avec beaucoup de connectiques. J'ai la version à l'échelle ici, si vous voulez la faire passer. C'est ce genre de système qu'on travaille. Moi, je peux remplacer la voiture par le téléphone. Vous démontez votre téléphone, vous allez aussi voir quelque chose de ce genre. Et donc, en fait, un système embarqué, on peut, de façon un peu abstraite, le résumer à ses composants électroniques. Il y a un processeur qui va faire des calculs, une mémoire qui va sauvegarder les résultats de ces calculs et les programmes qu'il contient. Des dispositifs d'entrée-sortie comme un écran ou des boutons, ce genre de choses. Et dans le cas des systèmes embarqués qui sont autonomes, une batterie. Donc je vais remplacer ici le téléphone par la façon, on va dire, applicative de voir les choses. C'est un système d'exploitation. Donc c'est une analogie ici. Je ne travaille pas avec Android, mais Android est un système d'exploitation qui permet l'exécution d'applications que vous utilisez tous les jours, comme les mails, la messagerie, l'appareil photo. Chacune de ces applications va solliciter des composants du matériel, que ce soit pour enregistrer des photos dans la mémoire, accéder à l'appareil photo, décompresser une vidéo, c'est un calcul qui va aller dans le processeur. Et chacune de ces sollicitations, et donc ceci est vrai pour l'informatique mobile, est aussi vrai pour l'informatique embarquée, où les applications sont des tâches avec des contraintes temporelles, et le système d'exploitation pourrait être, par exemple, HyperOS. Et les différentes tâches et les systèmes vont solliciter les composants matériels. Donc ces composants matériels, à chaque fois qu'ils sont sollicités, ils vont drainer un petit peu de batterie, vont drainer un peu de ressources énergétiques qu'on a à disposition. Chacun contribue à la consommation d'énergie. Jusqu'à arriver à ce moment fatidique où le dispositif s'éteint parce que y a plus d'énergie. Bon, ma batterie, je vais quand même la recharger pour cet exposé. Et je vais vous demander, en fait, le temps de cet exposé, d'imaginer qu'en fait, une batterie, c'est un ensemble de cellules énergétiques qu'on va pouvoir utiliser pour réaliser un certain travail. Donc, on prend une cellule énergétique. Elle va pouvoir exécuter un certain travail, comme je disais, par exemple YouTube, une vidéo à décompresser, c'est un travail. Ça demande une certaine énergie et ça prend un certain temps. Donc on a cet ensemble de cellules énergétiques et on veut voir si on peut planifier si on a assez de ressources pour exécuter les travaux qu'on doit exécuter. Donc on va représenter le temps par une flèche
cette abscisse, en imaginant que on a un curseur qui, en fonction du temps, progresse sur ce graphe. Et donc, on va planifier la dépense énergétique en fonction du temps de notre batterie. Donc ici, les deux premières unités de temps, j'ai décidé de dépenser une cellule d'énergie pour exécuter un travail qui correspond à une unité de travail. Troisième instant, je veux exécuter un peu plus de travail, donc je veux aller un peu plus vite, donc je vais consommer plus d'énergie. L'idée étant qu'on va, plus on va consommer d'énergie, plus on va être capable d'exécuter du travail rapidement. Ici, 3, 2, et puis on redescend. Pendant un instant, on décide de s'éteindre parce qu'on n'a rien à faire, et on remonte. Voilà, on a dépensé tout notre budget énergétique pour effectuer ces deux travaux ici, qu'on peut voir sur le slide. Donc, ok, on a donc défini plus ou moins ce que c'est un travail. Dans mon domaine, ce qu'on fait beaucoup, c'est de lier les travaux à des échéances. C'est-à-dire que soit on peut dire je fais un travail et je fais du mieux que je peux et j'irai le plus vite possible, mais je vous dis pas quand j'aurai fini. Ou alors, on dit j'aurai fini dans les 10 jours, 10 heures, 10 minutes, 10 millisecondes. Et donc les échéances, je vais les représenter. Donc le travaux, on les représente par ces petits carrés de cellules énergétiques et les échéances par ces croix rouges. Et on va simplement, alors du coup, se demander quelles sont les échéances des différents travaux qu'on doit exécuter. Donc ce premier travail ici, quelle est son échéance? Je la place sur ma ligne du temps. Le second travail, je le place également sur ma ligne du temps. Et quand j'ai décidé d'exécuter ces différents travaux, je vois qu'ils ont été terminés avant leur échéance. Donc ça veut dire que je suis à temps et que ma fonctionnalité est bien correcte. Alors, si on avait décidé d'exécuter un travail un peu moins vite ici, donc de ne pas se dépenser 3 cellules d'énergie, mais 2, on aurait été en retard. Et quand on est en retard, on rate une échéance, et dans les systèmes embarqués, rater une échéance, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Il faut penser au système que je vous ai montré au début, avec les petites bulles rouges. Les avions, voilà, ils ont tout un système où ils doivent interagir avec des composants, avec des phénomènes réels, et donc ils doivent donner leur décision. Et imaginons par exemple un autopilote va devoir donner sa décision à temps. Pareil pour l'ABS d'une voiture ou l'airbag. Si l'airbag se déclenche 10 minutes après l'accident, ça risque de poser quelques petits soucis de sécurité. Alors donc il faut s'assurer qu'on exécute tout le travail à temps avant la fin de l'échéance. Donc si on dépense toute l'énergie avant, c'est bon. Ça semble un peu rapide, un peu. Alors pourquoi on ne dépense pas tout au début, on dépense le max et on est bien à temps, on peut s'endormir le reste du temps. Alors cette technique elle existe, ça s'appelle rest to idle, ou on peut traduire ça par la course vers l'oisiveté. Malheureusement, donc voilà, ça nécessite de déployer une certaine puissance qui est limitée. Dans chaque dispositif a une limite. Et pourquoi il y a une limite? Je vais représenter la limite par cette barre rouge. Parce que si on dépense trop d'énergie à un moment donné, le système va chauffer et on va avoir des problèmes d'utilisation, des problèmes aussi de fonctionnement. Le device peut fondre. Personne ne veut utiliser un téléphone qui lui brûle l'oreille. Ou il faut penser aussi au chien avec son collier. On n'a pas envie non plus que le pauvre toutou se blesse. Alors, on va utiliser rest to idle à la limite. Donc, on va essayer de dépenser un maximum d'énergie le plus vite possible et terminer le travail. Alors, j'aimerais revenir sur cette question de aller plus vite, dépenser plus d'énergie pour exécuter plus de travail. Donc, il faut imaginer qu'à l'intérieur du système embarqué, on a un levier à l'intérieur du processeur qui nous permet de dire, en fonction de à quel point j'actionne ce levier, je vais travailler de plus en plus vite, je vais exécuter de plus en plus de travail, consommer de plus en plus d'énergie. Donc on pourrait appeler ce levier la vitesse, mais pour des raisons historiques, on a préféré appeler ça la fréquence. Donc quand vous entendez que votre processeur a une fréquence à un certain nombre de mégahertz ou gigahertz, en fait c'est la vitesse à laquelle, grosso modo, il est capable d'exécuter des programmes. L'augmentation de la fréquence, elle est donc régie par cette limite dont je vous parlais. Mais j'ai pas été tout à fait correct avec vous. J'ai dit que l'énergie égale le travail. Ça, c'est faux. On peut très bien passer beaucoup d'énergie à ne faire aucun travail. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais représenter, en fait, le travail par un autre type de carré, qui sont les carrés jaunes avec le W pour work. Et on va devoir échanger des cellules d'énergie contre du travail accompli. Donc,
à gauche le travail, à gauche l'énergie, à droite le travail. C'est plus ou moins la même chose, mais pas tout à fait. L'énergie, c'est le coût, c'est ce que ça va vous coûter, c'est limité, vous avez une batterie. Et le travail, c'est l'application utile, c'est ce que vous voulez faire, c'est ce que l'utilisateur a envie d'avoir. Quand on utilise le levier, donc c'est ici que ça se complique un peu, j'utilise le levier pour doubler ma vitesse. En fait, je dois payer 4 fois plus d'énergie. Donc, doubler la vitesse demande un coût quadratique, en fait, par rapport au travail. Si on veut, l'énergie, ça coûte le carré du travail. Ça, c'est dans certaines plateformes. Dans d'autres plateformes, c'est encore pire. Ça peut être le cube. Donc, ça dépend en fonction du matériel sur lequel vous voulez exécuter, entre le carré et le cube. Un exemple, pour fixer les idées. J'ai un petit exercice. L'objectif, c'est d'exécuter 10 unités de travail. Donc, on a nos blocs jaunes. En 7 secondes, on remet notre ligne du temps avec l'échéance au début de la 8e seconde. Et on veut minimiser l'énergie consommée, donc utiliser le moins possible de petites cellules vertes. Comment on va faire? Donc, je vais mettre d'un côté le travail et de l'autre l'énergie, mais donc ils sont connectés. Chaque barre, on va dire horizontale, représente un instant dans le temps. En haut, le travail et en bas, l'énergie. Je place mon échéance sur le travail pour être sûr que je finis à temps. Et donc, la première solution, j'exécute à la vitesse nominale de ma plateforme. C'est pas acceptable, j'ai pas fini mon travail avant mon échéance. Ça me coûte une énergie de 10, parce qu'on va dire que, on va supposer que là où on commence, on a une unité de travail, une unité d'énergie. Donc je peux doubler, la première solution, c'est que j'utilise mon levier et je double la vitesse. Et donc, à chaque instant, j'ai dû consommer 4 cellules d'énergie. Ce qui me fait au total une énergie de 20. Par rapport à la solution précédente qui était inacceptable, on a doublé le budget énergétique de l'application. Mais on est OK pour notre échéance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux petits slots ici dans lesquels on pourrait déplacer. Ça nous donne, on a une certaine flexibilité. Et je peux dire, je vais actionner mon levier dans l'autre sens, diminuer la vitesse, une fois que j'aurai exécuté 6 unités de travail. Mais comme je freine, je vais récupérer de l'énergie, et je suis quand même toujours à temps. J'ai gagné 20% d'énergie en faisant ça. Dans le cas, donc pour revenir résumer, en fait, la première solution, on utilise tout le processeur au double de sa vitesse, on utilise 20 unités d'énergie, et dans le cas où on freine un petit peu, on utilise 16, 20% de moins. Dans le cas où c'est cubique, la situation est encore pire, parce qu'on consomme 40 unités d'énergie dans le premier cas, et 28 dans le second. Donc on réduit l'énergie consommée de 30%, avec la même technique. Donc j'aimerais revenir sur ce levier. En fait, le levier, c'est en pratique, un programme qui s'exécute dans le système d'exploitation de l'ordinateur. C'est un pilote qui permet de modifier la fréquence du processeur. Ça peut s'exécuter dans Android, ça peut s'exécuter dans HyperOS. Et c'est une des choses qu'on a dû faire pour nos expériences. On a dû écrire un programme qui change la vitesse d'exécution du processeur. Alors, donc les 30 dernières années, les processeurs... Non, pas les 30 dernières années, en fait. Avant les années 2000... Les processeurs étaient monocore, donc ils savaient exécuter un seul programme à la fois, et le degré de liberté qu'on avait, c'était ce fameux levier qui change la vitesse. Donc on a un travail, on sait exécuter qu'un seul travail à la fois. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de tirer sur ce levier de plus en plus, de repousser la limite de plus en plus loin, mais à un moment c'est plus possible, le processeur est trop chaud, il faut trouver une autre solution. Donc les concepteurs de processeurs, ils ont dit « Ok, on va prendre une autre approche, on va faire en sorte qu'on puisse exécuter plusieurs programmes en même temps. » Et plutôt que de réduire, de changer ce levier, on a quelque part un nouveau levier, un nouveau degré de liberté, qui dit « Comment je vais répartir mes différents programmes ici, en parallèle sur ma plateforme ?» Et là, je peux exécuter 4 unités de travail en parallèle, sans que ça me coûte beaucoup plus en énergie. Donc ici, voilà, si je reprends avec le parallélisme, le coût énergie-travail, il est linéaire, plus ou moins. C'est plus compliqué que ça en pratique, mais je vais pas rentrer dans les détails. Et si on reprend alors le même exercice que précédemment, on a plus ou moins 10 unités d'énergie qui sont consommées. Pour un travail où on a utilisé les 4 processeurs pendant 2 unités de temps, et puis on a exécuté les 2 unités de travail sur deux processeurs. Et donc, vu qu'on a fait ça, maintenant on peut combiner les deux approches.
on peut tirer sur le levier dans l'autre sens. Parce que si on double la vitesse, ça fait x4 en coût énergétique. On peut aussi diviser par 2 la vitesse, et on divise par 4 le coût en énergie. Et donc on arrive à un petit moins 50% d'énergie consommée, sur cet exemple très simple. Alors le problème que j'essaie de résoudre, théorique, c'est, étant donné ces 2 degrés de liberté, ces 2 leviers, et une charge de travail qui m'est imposée par mon utilisateur, qui a ses échéances, je dois trouver la façon dont je joue avec ces leviers pour réduire au maximum la consommation d'énergie. Donc voilà, j'ai couvert ma thèse. On dirait, on peut prendre le titre et voir est-ce que j'ai tout couvert. Système embarqué, voilà, ordinateur, pas d'écran. Hard real time, donc temps réel dur, on veut exécuter, c'est le domaine où on veut exécuter le travail avant l'échéance, avant leurs échéances. Les métriques de performance, on a des batteries, on a une certaine vitesse d'exécution. On utilise du parallélisme matériel parce qu'on utilise les plateformes multicœur. Et c'est de l'optimisation parce que on diminue, on a un levier, on diminue de 20, 30, 50% la consommation. Ok, il manque quelque chose. Software parallélisme. Donc ça c'est en fait, à mon sens, le plus grand défi, c'est que les applications puissent elles-mêmes être écrites pour s'exécuter simultanément sur plusieurs cœurs du matériel. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Voilà, donc c'est tout pour l'intuition. Maintenant, je vais un petit peu parler de ma thèse et des contributions. Je vais raffiner un petit peu, parce que jusqu'à présent, j'ai parlé de travail de façon abstraite et d'énergie. Je raffine un peu. Là, non, il faut oublier les blocs de couleurs, parce qu'il y a d'autres blocs de couleurs. Donc, on a un ensemble de tâches qui vont être exécutées en même temps, qui vont générer du travail. Et le travail va être ordonnancé sur la plateforme par le mécanisme qui se trouve entre le matériel et les applications, c'est le système d'exploitation. Traditionnellement, un système d'exploitation contient un ordonnanceur qui va séquentiellement exécuter le travail. J'ai un travail de type jaune, de tâche jaune, je l'exécute en entier sur le premier processeur, pareil pour le rouge, l'orange et le bleu. Et donc, on continue en parallèle à exécuter des tâches de nature différentes. Le but reste de réduire l'énergie consommée, et on se rend très vite compte que le fait qu'on exécute séquentiellement limite les gains d'énergie qu'on peut obtenir, parce que on doit toujours être capable d'exécuter le job le plus gros, le travail le plus gros. Étant donné qu'on peut pas le diviser sur des processeurs, on doit au moins donner la vitesse et la puissance pour exécuter le plus grand des travaux. L'autre idée, c'est de permettre le fait qu'on prenne ces travaux générés par des tâches et qu'on les exécute en parallèle. Et donc là, les unités jaunes qui, juste quelques slides avant, étaient sur le même processeur, s'exécutent en même temps. Et ça permet, en tout cas, d'augmenter la vitesse d'exécution des différents travaux et peut-être d'avoir des meilleures contributions, des meilleures consommations d'énergie. La question de recherche, c'est est-ce qu'on peut mieux réduire, est-ce qu'on peut avoir des meilleurs gains énergétiques si on parallélise les tâches, et est-ce qu'on peut du coup conserver les contraintes temporelles de ces tâches. Donc ma déclaration, ce que je dis moi dans ma thèse, c'est le parallélisme, il aide à faire ça, il aide à réduire l'énergie consommée, et il permet, tout en diminuant l'énergie consommée, de garantir les mêmes contraintes temporelles qui étaient données à la base. Voilà, ça semble gros, un fait comme ça, et donc le travail fait pendant presque 6 ans, c'était de prouver ça de différentes façons. Donc j'ai choisi 3 types de contributions dont je veux vous parler aujourd'hui. La validation théorique de la thèse, et puis je reviendrai sur le reste après. Donc voilà, on peut prendre toutes ces notions de processeur, de temps, de job. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple si on enlève tous ces détails d'implémentation et qu'on se dit, en fait, tout ce que j'ai, c'est des blocs. Je prends un bloc qui représente un travail. Sa hauteur, c'est le nombre de cœurs sur lequel il est assigné. Et sa longueur, c'est son temps d'exécution. Si je décide d'augmenter sa hauteur, ça va réduire sa longueur parce que je alloue plus de cœurs au travail. Et l'aire de ce rectangle représente ce qui est nécessaire à exécuter pour faire mon travail. Le,
le système d'exploitation peut décider, pendant l'exécution du travail, de changer la hauteur du rectangle et d'un coup de dire, voilà, je veux t'assigner plus de processeurs, moins de processeurs, et en fonction de ça, tu dois être capable de réagir et d'exécuter plus ou moins vite les tâches. Et on a aussi toujours le même levier dont je vous parle au début de la présentation, qui permet de dilater les tâches parce que on réduit la fréquence et donc elle prend plus de temps à s'exécuter mais consomme moins d'énergie. Donc avec toutes ces contraintes, des tâches implicites, des tâches avec des deadlines implicites qui sont sporadiques, les jobs qui sont malléables dans tous les sens, des plateformes multicœurs auxquelles on peut changer la fréquence et un algorithme d'ordonnancement de la littérature. On a trouvé un algorithme qui permet de déterminer la fréquence minimum telle que le système reste ordonnançable pour ces tâches et minimise la consommation de courant. On a simulé ce modèle mathématique et on s'est rendu donc avec sur deux paramètres, le nombre de cœurs qu'on a, donc la quantité de parallélisme qu'on peut mettre et l'utilisation, la charge totale applicative qu'on va exécuter. Et on se rend compte que si on augmente les deux, en fait on augmente très fort les gains potentiels qu'on peut avoir. Donc ça, c'est, on a validé l'idée théorique que ce que je vous raconte depuis tout à l'heure est vrai. Mais on veut encore s'assurer que si on fait ça sur des vrais systèmes, une implémentation qui tourne dans un vrai système embarqué, ce soit vrai aussi. Pour ça, on a commencé par écrire un nouveau système d'exploitation. Pour une chaîne de dépendance, on se rend quand même compte que c'est quand même mieux si on écrit tout par nous-mêmes. Voilà, donc si on se remet dans le contexte, en 2006, les OS pour embarquer avaient premièrement peu de considération pour les architectures multicœurs. Les noyaux, tels qu'ils existaient, ne passaient pas à l'échelle si on augmentait le nombre de cœurs, et encore moins en termes de prédictabilité. Ils n'intègrent pas les contraintes temporelles et la consommation d'énergie de façon à, comme je vous l'ai montré, où c'est facile d'échanger. Ben, en pratique, c'était pas le cas. Et il y a un très grand écart dans l'ordonnancement entre ce qui se fait dans la recherche académique comme algorithme avancé, et ce qui est exécuté effectivement dans les plateformes faites dans l'industrie. Partant de ces quatre constats, il y a plusieurs chercheurs qui se sont mis ensemble à l'ULB, un dans le département d'informatique et un autre dans BIMS, un qui est spécialisé en formalisation de systèmes temps réel, et l'autre en conception d'architecture électronique. On va mettre ces connaissances ensemble, d'un côté la théorie et d'un autre côté le matériel, et on va concevoir un nouveau système d'exploitation, incluant l'écriture d'un nouveau noyau. Et on va se servir, donc là je fais le raccourci, on va se servir de ce noyau pour la thèse d'Antonio. Voilà, donc l'idée c'est qu'on a aussi un système qui peut exécuter des tâches temps réel, etc. Et on a les mécanismes dont je vous parle, c'est-à-dire le parallélisme, le fait qu'on peut exécuter des tâches sur plusieurs cœurs, une tâche peut s'exécuter sur plusieurs cœurs, et le levier de changement de fréquence. Et donc maintenant qu'on a tous les outils en main, on a validé théoriquement, on a un OS comme plateforme, on peut faire des expériences et vérifier que ce que je dis s'applique en pratique. Donc j'ai construit une plateforme expérimentale qui commence par une carte embarquée, comme j'ai fait passer. N'oubliez pas de... au-dessus de la carte, on exécute un système d'exploitation avec des bibliothèques, HyperOS. Et sur ce OS, on va faire tourner une application parallèle. Alors ça, c'était le point challenging dont je vous parlais au début en disant « c'est compliqué ». C'est quoi une application parallèle? C'est une application, on ne doit pas écrire séquentiellement les instructions, mais on accepte qu'elle s'exécute potentiellement en parallèle sur plusieurs cœurs, et ça pose beaucoup de problèmes de conception, notamment de difficultés à débugger son programme. Nous, on a utilisé OpenMP, ce qui est un ensemble de librairies et d'interfaces qui permet, en théorie, de faire ça simplement. Un programme OpenMP, ça ressemble à quoi? Ça, c'est une tâche qui permet plus ou moins automatiquement de générer des threads d'exécution qui vont s'exécuter en parallèle. L'avantage ici, c'est qu'on a une boucle, et en fait, la boucle représente un certain travail. En général, voilà, ici, dans ce cas-ci, elle représente le gros du travail de cette tâche. Et le fait que cette boucle peut s'exécuter en parallèle va grandement améliorer le temps d'exécution et l'énergie consommée du système. Donc, comment ça se passe en pratique?
Ça, c'est une vue imagée de ce qui se passe. On commence par un fil d'exécution maître, donc ici, qui commence à générer, à faire son travail. Et puis, on arrive dans l'exécution du programme à la pragma. À ce moment-là, le système, le fil d'exécution se multiplie ou se fourchette en plusieurs. Et donc, il y en a qui a, il y a plusieurs worker threads qui sont responsables d'exécuter les itérations de la boucle. Et donc, en particulier, c'est ici qu'on passe le plus de temps. Et ensuite, on se rejoint, et il n'y a plus que de nouveau le maître qui a survécu, pour finir son exécution. Ceci est la façon dont, dans la thèse, on a implémenté le parallélisme des tâches. On a écrit plusieurs types de programmes qui ont la même structure, un programme qui calcule pi, bon, ça peut toujours être utile, un programme qui fait du chiffrement symétrique AES, et un programme qui fait du traitement d'image, qui applique un certain filtre sur une image donnée en entrée. Et donc, la plateforme qu'on a choisie, c'est celle que j'ai fait passer, c'est la Cyberlite. J'aime bien ce nom. Il y a une architecture Cortex A9. La plateforme est supportée par HyperOS. Il y a 4 cœurs, et on a implémenté le programme qui permet de faire le levier de fréquence. Donc, il y a tout ce qu'il nous faut pour faire des expériences. Pour le fameux levier, en fait, pour entrer un petit peu plus dans les précisions, le levier se définit en définissant le voltage de la plateforme et sa fréquence. Pour un certain voltage donné, on a un maximum de fréquence. Donc l'ensemble des possibilités se situe en fait dans les points qui sont dans le plan jaune ici. Et donc le plus intéressant, c'est de prendre les points qui sont sur la limite. Pour chaque point de voltage, on prend le maximum de la fréquence. Et c'est ce qui va effectivement avoir un impact sur la puissance consommée. Donc la puissance consommée est proportionnelle au carré du voltage multiplié par la fréquence. Et en fait ici, on retrouve le fameux cube de tout à l'heure parce que le voltage est lui-même proportionnel à la fréquence. Et donc c'est le cube dont je vous parlais au tout début. Voilà, on a notre plateforme expérimentale, mais on veut encore ajouter des outils de mesure, parce que comment on va se faire pour savoir, ok, on a un système embarqué qui tourne tout seul, mais on doit encore savoir comment, à quel point il exécute, à quel point il consomme de l'énergie. Donc, on va mettre une petite résistance en série, avec, entre mon système et l'alimentation. Et on va brancher un oscilloscope, et l'appareil que vous avez vu, que vous pouvez voir ici. Et un PC, un laptop avec tout le build system d'HyperOS va tourner et contrôler tout ce qui se passe autant sur la plateforme que sur le oscilloscope pour récupérer les données. Voilà ce que ça ressemble en pratique. Donc ça, c'est un... Le oscilloscope appartient au département d'informatique. Donc ça, c'est une pièce du NO3 où j'ai passé pas mal de temps à récolter des résultats d'expérience. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient quand on utilise l'oscilloscope? On obtient une trace qui dit, voilà, ça c'est le voltage qu'il y avait autour de la résistance en fonction du temps, pendant 4 secondes ici. Donc moi, je traduis ce voltage en puissance consommée, en graphe qui me donne le nombre de watts en fonction du temps. Et on voit très clairement ici qu'il y a une espèce de plateau et puis que ça redescend. Ça veut dire qu'il y avait une tâche qui s'exécutait, qui a tiré de la puissance de la plateforme, et puis quand ça s'est terminé, le système s'est mis en mode basse consommation parce qu'on avait terminé le travail. Donc cet écart ici va représenter le temps d'exécution de ma tâche. La hauteur va représenter le pic de puissance. Donc grosso modo à chaque instant quelle est la quantité d'énergie consommée. Et donc l'air sur cette plateforme, si j'intègre l'air sur cette courbe, si j'intègre, va me donner l'énergie totale consommée. On a fait ça avec des systèmes dont la charge varie entre 60% et 300%. On est dans le multicœur, donc on peut faire plus de 100%. Pour différents degrés de parallélisme, j'ai accepté un thread, 2 threads, 3 threads, 4 threads, qui m'a permis de voir à quel point augmenter le parallélisme dans mes applications va me permettre de réduire l'énergie consommée. Le système d'exploitation applique sa gestion d'alimentation habituelle, on exécute tous les systèmes qui sont ordonnançables et on mesure le résultat avec notre petite plateforme expérimentale. Et finalement, voilà un des résultats principaux de ma thèse. Donc on voit ici dans la légende en ordonnée, c'est l'énergie totale consommée par mon système, et ici la différente charge, donc quand on augmente la quantité de travail simplement, on voit que la version séquentielle, donc la version traditionnelle, est celle qui dans quasiment tous les cas, à part ce petit point ici, consomme plus d'énergie.
Et on voit aussi que plus on diminue, en tout cas que le maximum de gains énergétiques est obtenu quand on parallélise au maximum, quand on augmente le plus possible le degré de parallélisme. Donc, sur ce graphe, le problème, c'est que c'est très fortement influencé par la quantité de charge. On voit que ça augmente très fort. Donc, j'ai repris les mêmes données et je les ai dessinées de façon relative à la version séquentielle. Et là, c'est très net. On arrive jusqu'à presque moins 25% d'énergie consommée pour des systèmes de tâches générés aléatoirement avec des caractéristiques aléatoires et des workloads aléatoires. Ça peut encore être amélioré si on raffine le système manuel. Voilà, donc j'espère que avec cette présentation, je vous ai convaincu que le parallélisme permet effectivement de réduire l'énergie consommée tout en maintenant les contraintes temporelles. Dernier point, les directions futures. Voilà, une thèse de doctorat, en théorie, ça dure 4 ans. Dans mon cas, c'était un petit peu plus long que ça. L'avantage, c'est que quand on a plusieurs années, on peut prendre de l'altitude et réfléchir aux problèmes qu'on attaque avec plus de recul. Donc, je vais un petit peu partager avec vous ma vision. Donc, pour concevoir un système embarqué ou même un programme qui s'exécute sur le PC, aujourd'hui, on fait ça. On demande à la machine d'écrire un code dans un langage de haut niveau, comme on le sait, et comparé à l'assembleur, et on décrit le fonctionnement attendu en termes fonctionnels et pas en termes non fonctionnels, pas en termes de contraintes énergétiques et temporelles. La communauté temps réel travaille depuis des dizaines d'années à faire en sorte qu'on puisse spécifier le comportement temporel des tâches. Donc on dit, cette tâche utile, finalement, je veux provisionner maximum 3 millisecondes. Je dis, ceci doit s'exécuter en maximum 3 millisecondes. Et donc, il y a énormément de recherches qui se font dans cette direction. Avec la thèse, moi, j'ai rajouté une dimension en plus quelque part. J'ai dit, le useful work, tu vas exécuter une maximum 3 millisecondes et maximum 3 millijoules. Et si on veut encore plus loin, il faut prendre ce problème de façon, on va dire, vectorielle et dire, on peut spécifier autant de contraintes qu'on veut sur autant de dimensions qu'on veut. Donc ça, c'est la direction future, parce que je ne suis pas attaqué au problème de la température par des limites de temps. Je veux exécuter en 3 millisecondes, en 3 millijoules, et avec maximum 2 degrés d'augmentation de la plateforme, c'est useful work. Donc quand on spécifie ça à un compilateur, qu'est-ce qui se passe? Donc il va prendre du temps, il va prendre beaucoup de temps pour réfléchir si c'est possible, et puis il va dire, ok, ça marche, avec la plateforme que tu as choisie, ça va fonctionner. Ou alors, il va dire, non, ça fonctionne pas, mais tu dois allouer 2 cœurs supplémentaires pour que tes contraintes soient satisfaites, pour que je puisse exécuter ceci en respectant cela. Voilà, merci de votre attention. C'est terminé. Voilà. Des questions? Peut-être un message à destination du public. Qui est évidemment à tout le monde public, mais nous avons eu tous les membres du jury l'occasion de lire le texte, finalement les versions finales, et aussi d'avoir eu une très longue après-midi de discussion. Alors, comme l'un des membres ne s'exprime pas facilement en français, nous allons faire comme l'autre a trouvé, et suivre la séance de question en anglais, pour permettre à chacun de pouvoir regarder. That's a Turing test, right? I have two questions, basically. The first one is a little bit different, but I wanted to ask you. You didn't talk about this in this presentation today, but my question is about the kernel, the master slave idea in the kernel. So you have a schedule, you run the scheduler in the master code, and even when you have the partition schedule. So when there's no migration, for instance, like that. Why is it beneficial to do that
this kind of partitioning schedule. Okay. So, first of all, just in order to everyone to understand, in order to implement the kernel, we did an asymmetric architecture. That means that we put on one core that is dedicated to the scheduling and the heavy operations of the kernel. And the other cores that are called the slave cores actually are served by the master. When they ask, for example, a system call, the master will answer accordingly, possibly executing the scheduling and ordering context switches on the different cores. So the question was, why in partition scheduling is this beneficial? Yeah, or why do you have to do partition scheduling? Because you are going to have some interference between different codes that maybe are not necessary, or maybe they are dealt with in the field. Why? So the first obvious reason is that it's easy to vary the scheduling, indeed to go to partition to global scheduling with such a design. So it's part of a cost that you pay to being able to say, okay, I implement all scheduling policies possible, but we have some drawbacks. That said, I'm not convinced today that a symmetric approach, even for partition scheduling, will be more efficient than the master-slave architecture, because you will always suffer from interferences for other things. For example, the shared resources that you have with when we access the memory, that's the kind of things that you cannot avoid, even it's in the symmetric or the master-slave architecture. Yeah. You mentioned now that the thesis was 5.5 years. And I'm sure you have many problems within these years, many things that you have to solve. Can you talk about those problems and the main problems, how did you solve them? There are so many. And also, if you have to start the thesis today, in hindsight, what would you do differently? Differently. It's not easy because at that time we didn't have such a knowledge about kernel architecture and everything to be able to do whatever we want. So ideally now I would take the kernel as it is and I would tweak it directly to have some good benchmarks, some good measurements. Start by building actually an experimental stack that allowed me to iteratively get a lot of results faster, because here the really difficult things is that at the beginning we had nothing. And so we had to work until we get, okay, something. Now we can start to imagine a paper that is practical. So I think I could go for the iterative flow maybe better. So, first of all, I congratulate you for the work. Your thesis is very nice for it. There's a lot of information. And just like with your presentation, you can explain the simply complex problems. And this is definitely that we have. So, back on the work of your thesis, you have done a lot of work to show that it is very difficult to take into account power management inside the operating system at the very beginning of the design of the operating system. And I would like to say that there are some possibilities that you would like to be able to explain with the programming model. Do you think there is something more to be done on the operating system? What will be the next step when we solve the power management problem? You mean when it's done, we need to go further? Yeah. Actually, I never asked myself that question, but it's always a race, right, between application requirements that are rising and the platform capabilities that we have. And the thing is,
yes, it's possible to do simple system with complex platforms, but it's harder to do complex, in this kind of thing. But it's harder to do complex system with complex platform or simple system with simple platforms. Because, I think that's the next step would be to improve the design methodology to help designers, putting their idea into code with higher level of abstraction. So I'm thinking about maybe the Zinc architecture. Now we have this marvelous new ultra scale module with four application cores, two real time cores, a lot of FPGA, but we don't have the workforce to use it. So I think that the missing thing is indeed technology, languages, things that computer scientists are good to work on to help the engineers to design systems with these platforms. Yeah, higher level of abstraction for hardware design, for example, should be a nice future direction. Okay. I have a short question. Because this is a future not of work to students. For English knowledge, I've been done for 5 years here. Almost 6. If you would have to discuss a basis, so knowing all the problems and problems, would you start it? If I would start it, knowing that you don't sleep for several days, I think so. I think it's also about the patient to know more and to understand more the systems. And so I think I will continue doing research after that because it's so nice environment also. You can work with a lot of people. It's a very open world. So yes, totally. I would start again, but I will not do a second thesis. Would like also to congratulate on PhD, which is indeed very interesting and has a lot of pedagogy in a way written. And I think the presentation also shows really good skills that you are presenting. Thank you. I would like to, maybe a general question. I would like to select the kind of tuning I could use. I want to have a very low consumption. Should I use global tuning, artificial tuning, or semi-artificial tuning? Or what would you suggest? I guess you have the toolbox and you simulate and you see which one is better. So actually it depends on the load on your platform. It's better to go for a safer solution partition, rate monotonic, when you have a small load because you don't need to use all your platform. Otherwise, maybe you will need to squeeze a lot of performance from your platform. Then use more advanced technique, like global, and who knows, maybe a UEDF. Mm-hmm. I think it's depending on each use case. It's hard to give a deterministic answer. Can you explain the difference between your understanding of the motivation of a new operating system like Eclipse? What was the key... From my perspective, yes. Personally? Yes. Compared to existing operating system, what was the specific benefit that you could have with when you design a new operating system? Okay, I see two ways to answer to that question. The first easy one is that it's very challenging and you learn a lot of things. It's very on my personal side. It's better to build something from scratch and you understand all the layers of complexity you have in a system. Then I guess your question was more about why would you personally choose HyperOS instead of, QNX or VXWorks? So I need to
put my cellular hat. I think it's very, the important thing is not really the OS, but all the, everything you have around, like tools to check offline that the system is going to execute well. Like I said previously, design frameworks that help you, and the integration of all of this in a good ecosystem. That's the important things. The kind of things we work on in the Tulip project. Actually. Last question concerning positive results. You have basically been working on DBFS solutions. So do you think that the conclusion that you reached that parallelism is always better than non-parallelism? Do you think you will reach the same conclusion if you consider the DPM solution? I think that in a way we would, to clarify, DPM is when instead of changing the frequency of the machine, you just decide to use less cores. And then the cores that you don't use are put into sleep and they consume close to nothing. I think, we would reach it, but with different, how to say that? We would reach the same conclusion, but by taking another path in the heuristic and the scheduling techniques, who maybe so something else, and selecting a small frequency would not be the way to go. But indeed, using a race to idle strategy and then looking, combining race to idle with parallelism, and you will look that you will have more sleeping time and then more energy savings. So I think that, yes, indeed. Okay. So for the practicality of doing parallelism until the end, indeed, it's not infinite. The thing that was really interesting in the thesis is that in embedded system, most platforms are monocore, so are single core. And then when you use four cores, for example, you see directly huge advantages. But I guess that you will not be able to write a program that will use 2,000 cores and being an embedded system. So you will pay at some point the price of parallelism, which is documented in the thesis. I didn't speak about that. I just put the equal symbol, approximative equal symbol to say, okay, maybe it's a little bit too complex, but indeed you, at some points you are limited by the fact that you execute instructions and you will not parallelize one instructions for a program. Maybe 2,000 cores, I don't know. So the important thing at this point when you are indeed have many core platforms that you will have always several tasks to execute. And each of these tasks can take a subset of the cores available. And then indeed using an optimization procedure to calculate how do you dispatch the different threads of the different tasks on the multiple cores could be some kind of graal to optimize your application. And for the languages, maybe it's not C. I could see because everyone knows it, but
it's totally not a, maybe not a new language, but something where you can annotate the code that you will run with performance metrics. But I'm not sure what kind of a language is. Should be functional. Also, functional language is the parallelism of the implementation of automated parallelism. Thank you. Congratulations, Anthony, with an excellent work you have done this 5 years. And today, it's not the first tool I have the pleasure to listen to, so I know your ability, and today it was Cerise sur le gâteau. Thank you. During those years, I asked a lot of technical questions about details, etc. So today, I will avoid to do that. Maybe I have a question concerning the memory. So you focus your study on saving energy on the CPU, but the board you showed to us have random access memory, for instance. And I last week I attended a conference, and it seems that new kind of non-volatile memory can help to save energy. And I would like to have your, maybe your idea or your concern about that aspect, which consumes, I think, a lot of energy. Sure. The central memory or the RAM need to be refreshed constantly. Then to keep the information, you need to put a lot of energy. I think that a lot of progress has been done in the hardware side. I'm not sure how much we can influence it on the software side. Cache optimization techniques could help, because the caching is when you do the hierarchical, and using well your cache will have impact on the way you use the memory. And so applying techniques like Juan is working on, where you schedule your memory access, allows maybe to have more predictable patterns of accessing the memory and also of energy consumption. What could be interesting is to be able to isolate the energy contribution of the different components on chip, but that's very difficult if you don't have good simulation and good frameworks to do that. Great. First of all, thanks so much for the presentation, but for convincing me that besides many qualities you have, you are also a very good teacher, which is a good news probably for my faculty, because I'm going to try to fire you to do that. This is a very good thing. But now to go back to the question, which is of course parallel. Now your thesis focuses on multi-core, and people are buzzing for quite some time about many cores. Many core systems. The question is, the translation from the framework we have today, towards this many cores, how it will happen? Will it be hard? And would you think that the results that you're observing today in four cores are going to be anything? Of course, in Lambda or not, but imagining that you can parallelize things nicely. How your framework should change to adapt? So the first thing is that you will always be able to use less core than you have on your platform. So you can use the framework directly if you want, even if it's using four among thousands of cores. Of course, the serious answer to that is more complicated. The thing is, for me, the challenge is not at the hardware level. It's really to convince designers to apply parallelism in their methodology. Like to think about the problem in parallel. And as soon as you can do that, you can already have a lot of gains. Regarding transition from multi-core to many cores in embedded systems, I guess that's what you were... Embedded or multi-core. I think that we'll have much more capabilities, and that will be close to what we do for servers, for example. Does this mean that whatever you have shown
is basically scaling perfectly well with the number of theoretically, yes. In practice, it will not. That's the thing. So, what you should do is a little bit. Yeah, no, the idea is basically if you throw problems that are, you know, orders of magnitude bigger than what you have today, what is the quality of the solution you can get to this? The compared to what you can include before. The quality is this capability to execute evenly on the different cores. Is that you will distribute the work and then the consumption will be less costly. So this approach will always fit in monocores, in multi-core and many cores, but you will have, I think, to be a little bit more finer in the way you design your applications. Yeah, so always application. With a computer science guys, you accepted the harder one, which is not our fault in the fourth keyboard. So one last, a very quick one. Now you said that you would start your thesis, you would do a lot of benchmarking. What was the weakest point in the benchmark you did today? I think that they were too simple, and so it's maybe not convincing enough for the thesis to have just simple use cases that all have the same structures. I would like to have something more complex in terms of parallelism. For example, implementing OpenMP nesting of for loops. So that's something with, and then you represent your application with a very complex direct acyclic graph. And this is more challenging to execute because we know that it's a NP-complete problem to execute, even when there is no real-time constraints. So you have energy real-time constraints and DAG, it starts to be a mess. And many cores, like this, you have many data. Okay. Well, I have some congratulations. So, of course, because we debate, we asked you to do in the last text. Thank you very much for this. I have two small questions. The first is about the discrepancy between the theory and the practice. It's of course, I mean voltage and frequency like a continuous function, continuous parameter. And in fact, in practical, you have only a small table of value you can manage. So, do you think that we still can reach the optimal Not directly, at least. You will have to do some arrangement to relax some hypotheses that are done in theory, because the optimality of a solution in a theoretical framework is always defined by the assumptions that are made. And as soon as you break one of these assumptions in practice, you lose the optimality quite automatically. Do you think it's a good approximation of that in some cases? It'd be better to take some other approximation, not only a rounding or... I was surprised how fine the approximation was, actually. When we did frequency scaling and we did it on actual programs, we were surprised that the scaling was indeed linear between the execution time and the frequency. Maybe one way is to see, okay, then it's good enough. The other way is to see, okay, it's because we didn't enough complex programs and we need to do more and more, but then we need to do more research. So your experiment proved that it's good at. Yeah, at least for simple use cases. Mm-hmm. Yeah. Okay. Another small question. You described in the first half of the work that multi-core or multi-processor becomes the same type of structure, that you have some very important application that you change the frequency. Did you try to make some experiment in some kind of modeling using two set of cores with two different frequencies? I did a little bit at the beginning in the theoretical framework. When we went to the practical side and I implemented the DVFS driver in the Cyberlite, I was surprised to see that you don't have this flexibility. So you cannot fine-tune the speed of each core.
But maybe it's by design. It's not a bug. It's a feature, because I think that they want that you indeed use all the cores simultaneously. And then when you use all of them, it does no little sense to have different frequency for different cores, because you evenly distribute your workload. But for the, when you have a clustered architecture with more cores, that will make maybe more sense. Yes. And then you have already in the literature a solution for that. You apply the, in a clustered fashion, the frameworks of different group of cores. Bon, maintenant, nous partons au centre de langue. Bon, maintenant, traditionnellement, on demande au public s'il souhaite poser des questions, s'il vous en veut. Alors, comment ça va? Tu peux. Oui. Tu as parlé de parallélisme point de vue plusieurs cœurs, mais quand tu regardes un corps, à l'intérieur, tu as plusieurs types de parallélisme, notamment tu as les pipelines, les capabilities execution, tu peux avoir des blocs dédiés pour, une tâche comme par exemple traitement audio ou chiffrement, etc. Est-ce que tu as regardé ce genre de choses, ou plutôt, qu'est-ce qu'un producteur d'hardware devrait améliorer, ajouter ou supprimer ou modifier pour que tu puisses mieux optimiser de ce point de vue-là, donc de mid-architecture. Ok, donc il y avait plusieurs choses. Premièrement, tu me demandes à propos des types de parallélisme. Ça, c'est quelque chose qui est quand même plus ou moins abstrait dans mon manuscrit. C'est-à-dire que je dis, tu peux implémenter le parallélisme comme tu veux. L'important, c'est que tu l'implémentes quelque part. C'est d'avoir des gains en termes de temps d'exécution. Une fois que tu as fait ton parallélisme, ton application va s'exécuter plus rapidement. Et ça te donne le slack pour récupérer de l'énergie en appliquant l'une ou l'autre des politiques. Donc, je me suis intéressé peu aux différents types de parallélisme en pratique. Pour ce que tu as dit avec en termes de matériel, là par contre on est en train de travailler là-dessus. Effectivement, ici aujourd'hui j'ai parlé uniquement de processeurs symétriques. J'ai fait l'hypothèse que ouais, on a multiplié les processeurs et chacun est capable de s'exécuter à la même vitesse. Mais la tendance actuelle, c'est plutôt de faire des solutions hétérogènes. On a des unités dédicacé, spécialisé à exécuter certains types de traitements. Et on travaille avec ce genre d'architecture, comme le Zinc, qui permet de faire ça. Donc tu m'as demandé, à ton avis, comment tu peux aider les concepteurs de hardware à choisir les bonnes choses à accélérer. Là, je dirais, on va devoir appliquer la loi de Amdahl, donc d'essayer d'optimiser ce que tu fais le plus. Donc imagine, tu fais une application de traitement d'image. Dans une voiture, tu veux détecter des piétons, par exemple, tu vas devoir créer des unités dédicacées d'intelligence artificielle pour accélérer ce traitement qui sera fait continuellement, parce que la voiture, elle va tout le temps être en train d'essayer de détecter des piétons. Donc la quantité de travail et aussi l'opportunité à paralléliser va devoir guider, on va dire, les concepteurs de hardware dans leur prochaine conception. Ce qui a toujours été le cas, en fait, ces dernières années aussi. Alors, comme je l'ai répondu précédemment, je pense que ça change pas le résultat en tant que tel, la thèse, dire que ça aide, etc. Mais je pense que c'est de nouveau les moyens pour arriver à prouver ça qui vont être différents. Parce que effectivement, ici, tu vas devoir tenir en compte d'autres nouveaux types de problèmes, de nouveaux types de contraintes, comme par exemple le fait que si tu utilises, on pense notamment à l'architecture FPGA, on peut dédier un certain traitement à un accélérateur qui va le faire à ta place. Une fois que tu fais ça, il y a des nouvelles problématiques de partage de ressources, parce que plusieurs cœurs peuvent accéder au même accélérateur, que tu dois tenir en compte dans ton scheduling. Parce que si tu fais pas ça, tu peux compromettre tes deadlines, avoir des inversions de priorité, et tous ces joyeux problèmes qui apparaissent dès que tu partages des ressources.
vers la fin de l'exposé, tu as trouvé des graphiques montrant l'intérêt de la composition d'énergie d'avoir plusieurs sœurs. Ouais. On voit effectivement clairement que c'est uniformément meilleur avec quatre traits. Par contre, il y a des cas où avec trois traits, c'est moins bon qu'avec deux. Est-ce que tu as une explication? Oui. en fait, l'architecture qui est derrière, c'est un processeur 4 cœurs. Et donc, quand un processeur 4 cœurs génère des travaux qui s'exécutent sur 3 threads, ça pose des petits problèmes de synchronisation, parce qu'on a 3 threads, mais il y a un fil qui est disponible, dans lequel va rentrer probablement le thread d'un autre programme. Et donc, il y a des effets de superposition. Comme 2, c'est une puissance de 2, et donc ça va avec 4, eh ben, tous les programmes qui sont sur 2 threads bon, vont pouvoir s'exécuter en même temps, et donc ça va très bien se passer. Par contre, 3, on va avoir des anomalies qui vont commencer à arriver, et ça va très mal s'équilibrer. Et comme j'expliquais, c'est vraiment l'équilibre du travail qu'on donne au processeur qui permet de consommer moins d'énergie, d'avoir des réels gains en termes énergétiques. Il y a une remarque spécifique dans le chapitre 9 à ce propos. Non, mais c'est pour information. Pour information. Un informaticien ne connaît que le 2. C'est ça. Donc le 3 est vraiment un bon exemple de mauvais design. Oui, c'est ça. Oui. Moi aussi, une question, mais c'est un peu plus méchant parce que moi, j'ai quand même participé un peu à la production de ce graphe. Le co-auteur. Je pense que les chiffres seraient différents si on avait multiplié le nombre d'expériences par 100 ou 10. Est-ce que ce phénomène de 3 qui rattrape le 2 tu veux dire le nombre de tâches ou le nombre d'expériences complètes? Ok. Ok. Ce que j'ai pas dit, c'est que ici, ça correspond à 232 expériences. Ah oui. Ouais, génial. je pense que faire plus d'expériences n'aurait pas apporté beaucoup. C'était finalement assez déterministe. On a généré les systèmes aléatoirement, mais tout ce qui va dans la suite de la chaîne est quand même plus ou moins déterministe. Donc, ce sera peut-être un peu plus lisse. Mais on aura quand même ce phénomène où le 3 thread va être plus mauvais par moment. Ça va quand même arriver. Peut-être que faudrait essayer, mais une seule expérience prend quand même beaucoup de temps. Donc. François. Ouais. C'est vrai, c'est une très bonne question, mais ça va dépendre très fort du type d'industrie dans laquelle tu vas t'attaquer. Si tu prends l'avionique, il y a très peu de chances. Aujourd'hui, il y a encore des documents plus ou moins en draft qui disent est-ce qu'on va mettre des multicœurs dans l'avionique ou pas. Donc, ils en sont pas là. Par contre, l'automobile, pour les innovations, tout ce qui permet de récupérer plus de performance, semble être beaucoup plus prometteur pour ce genre de technique. Et on voit à leur présence dans les conférences de recherche qui sont quand même très théoriques et très fondamentales, leur présence montre leur intérêt pour des nouvelles techniques. Effectivement. C'est ça pour l'éducation. Ouais. Oui, donc il faut commencer effectivement très vite à faire du développement avec des threads parallèles. Clairement. Sinon, après 6 mois, c'est terminé. On a un paradigme dans la tête impératif. Pour changer, déjà pour aller de l'impératif au fonctionnel, il y a un grand écart énorme qui doit être fait dans l'apprentissage. Et ici, ça va être pareil. Parce que je pense que ce sont les mêmes structures d'apprentissage. Mais ça serait très intéressant de varier. Mais le problème, c'est qu'il faut
C'est un peu, il faut prendre le problème quelque part quand on commence. L'informatique est tellement vaste, il faut choisir quand on commence et tu vas d'office sacrifier d'autres aspects, j'ai l'impression. Quand tu commences à enseigner un aspect, oui, il y a un autre aspect où on sera moins bon. Après, je suis pas un spécialiste dans le domaine. Ou des applications elles-mêmes. Ouais. Je pense que c'est ça. Ce sera peut-être, ça aura l'air encore un peu plus lisse, mais globalement, tu vas quand même toujours avoir un peu de bruit dans. Bulgette, par exemple, on aurait une situation où, en fait, là, on voit qu'à un moment, on est complètement dénaturé en disant plus d'utilisation. Mais que, si, peut-être, il pourrait avoir la peine de l'utiliser. Tu peux répéter? De Bulgette, à un moment, on voit que, voilà, on fait tout séquentiel. Ah oui, si, oui. Quelle question? Je pense que ça va se répéter. En fait, ce qui se passe, c'est en fait pourquoi je vais pas plus loin que 2.8 pour clarifier, c'est qu'après on n'est plus capable de respecter les échéances avec la technique d'enlancement qu'on a choisie. Donc ici, on arrive dans une situation où on commence à augmenter fort la charge du système par rapport à ses limites. Donc il se peut qu'il y ait quand même pas mal de choses qui sont liées à l'aléatoire derrière les paramètres des tâches qui sont générées. Donc à mon avis, tu vas avoir quelque chose de différent si tu fais plus d'expérience. Ouais. À la suite de celle-ci, on t'a parlé que la trace suivante est probablement d'intégrer une question de température. Ça va être complètement différent. Étudier les architectures hétérogènes qui ont l'air très très prometteuses. Et je pense qu'il y a plein de choses aussi. On peut aller plus loin dans le côté avoir un espèce de que l'OS se transforme vraiment en un programme qui te permet de gérer tes ressources efficacement. Parce que j'ai parlé de langage avec mon exemple, mais il y a aussi le support runtime. Il y a aussi on doit être capable d'implémenter ça durant l'exécution de l'OS. Et faire en sorte qu'en respectant notre contrat, on voit que sur les plateformes, effectivement, ça se passe bien. Donc, ce serait faire plus d'expérience dans ces aspects-là. Puis après, tenir en compte les ressources, relaxer toutes les hypothèses jusqu'à ce qu'on ait le truc parfait. Mais là, on est parti. On parle plus de thèse, on parle de carrière. Si on utilise aujourd'hui dans l'OS, si on utilise un Angular, et qu'on a un Angular, c'est un programme qui permet de tourner plusieurs OS en parallèle sur la plateforme. Comment est-ce qu'on a pu faire ce genre de technique? Les questions du public sont plus difficiles. Alors, l'hyperviseur, le problème, c'est qu'on a maintenant une abstraction. On a plus des corps, on a des corps virtuels, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est comme quand on se connecte sur son serveur web, on ne sait pas combien il y a de cœurs derrière. Ça devient très difficile et je crois qu'on a besoin d'un modèle de ce qui se passe au niveau hyperviseur pour pouvoir un peu gérer la complexité des choses. Donc. Non, il faut pouvoir combiner une approche de l'OS qui est très fort proche de Metal au final avec la nouvelle abstraction de CPU virtuel et de pouvoir transférer finalement l'état du modèle entre les composants. Voilà, c'est ça. On peut aussi paralléliser. Hein. Il y a d'autres ressources. Oui. Est-ce que lorsqu'on augmente le nombre de cœurs, il ne peut peut-être pas augmenter tellement que ce sont les accès mémoire, il faudrait commencer à envisager de renoncer les accès mémoire et peut-être moins s'occuper des cœurs à partir de là. Peut-être pas moins s'occuper des cœurs, mais en tout cas tenir en compte, prendre en compte la mémoire. Donc on a un travail avec. En cours avec Juan, où finalement il y a un scheduling de tâches sur les cœurs, et il y a aussi un scheduling, un ordonnanceur des tâches par rapport aux accès mémoire qu'ils font. Donc, pour éviter que deux tâches accèdent à la mémoire en même temps et qu'il y ait de la contention qui introduit de l'imprédictabilité dans le système.
Donc effectivement, moi j'aurais plus une approche de faire les deux scheduling en même temps. Plutôt que dire on s'occupe plus du tout des cœurs, parce que ça c'est à mon avis pas réaliste. Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ça s'appelle décret paysage, nous, présidente, au choix, secrétaire et membre du jury chargé de conférer le grade académique concerné, déclarons qu'Antonio Palolillo, né à Uccle le... Non, ça je ne vais pas dire, a obtenu en l'année académique 2018-2019 le grade académique de docteur en sciences après défense publique d'une dissertation originale intitulée « Optimization of Performance Metrics of Embedded Art Real-Time System Using Software-Hardware Parallelism ». En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent diplôme qu'il aura quand il aura signé, bien entendu, et que le recteur aussi aura signé. Toutes les élus. Ça claque pour que le public soit chaud, plein de questions et tout ce qu'il faut. Je vais vous dire que d'expérience, on n'a pas souvent autant de questions pour un candidat qui veut présenter son doctorat, mais j'imagine que c'était tant la présentation était bonne et compréhensible, j'espère, pour une bonne partie de l'auditoire. Joël, je pense que... Oui, je voulais dire un petit mot. Alors, comme dans la partie formelle, hein, toi tu écris formellement, tu m'as remercié formellement, je vais le faire de mon côté. Il y a encore 20 minutes, j'étais un étudiant qui répondait à des questions d'experts, et visiblement quelque chose a changé, parce que maintenant je peux t'appeler cher confrère. C'est-à-dire que tu maintenant fais partie de ces experts, et que tu vas enseigner ton savoir, et continuer à faire de la recherche, et tu as prouvé ton habilité à communiquer et à faire de la recherche. Donc c'est un moment important. Un peu indicible, un peu intangible, un peu quand on sort de l'enfance et qu'on devient adolescent, ou quand on passe à l'âge adulte. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est un moment fort important pour vous. Il faut s'en rendre compte. J'ai eu beaucoup de plaisir à collaborer avec toi. J'ai pas eu l'impression de travailler. J'ai pas eu l'impression de travailler parce que tu comprends vite. Tu te poses les bonnes questions, tu as des bonnes idées, et tu viens de le démontrer aujourd'hui. Tu vulgarises ton propos avec éclat. Et j'ai aussi été fort marqué par ta ténacité. Ta ténacité à atteindre tes objectifs, du moins professionnels, pour le reste, je ne sais pas, malgré les méandres de la vie. Je te félicite sincèrement. Pareil. Alors là j'ai été eu. Alors, je ne le croyais pas. C'est pas la fin de mon exposé, mais il y aura moins de concepts. Je voulais vous remercier tous pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'ai fait une petite collection de photos. Le soutien que vous m'avez apporté était essentiel, sans quoi je ne pourrais pas être ici aujourd'hui. Donc voilà, j'ai d'autres photos et un peu de tout. J'ai vu que vous étiez nombreux à venir, donc j'ai bien fait gaffe à ce que tout le monde savait. En plus du travail, on a aussi, pendant ces années, on s'est beaucoup amusé, on a fait beaucoup de fêtes, beaucoup de sorties dans tous les genres, sportives et moins sportives. J'ai aussi pu collaborer avec des partenaires dans différents projets, notamment le projet Tulip. On a eu un collaborateur américain, et aussi dans les conférences, on rencontre vraiment beaucoup de gens très 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 chouette.
Et bien sûr, la team Peros, dans les Dream Team de développement. C'est encore, on a passé aussi énormément de bons moments de brainstorm, de trucs. Sans ce micro-kernel, je ne l'ai pas écrit tout seul. On était toute une team à écrire. On avait le management derrière nous. Vraiment, c'était top. Je voulais aussi remercier ma famille qui était là pour me soutenir dans toutes ces épreuves. Et un petit moment pour mon papa qui aurait bien aimé être là aujourd'hui. Mais bon, malheureusement, il est avec nous en pensée. Et comme ça, vous voyez comment tout a commencé. Avec le premier Pentium 166 MHz, la fréquence. Et voilà, merci à tous.